Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Grounded. On vient de se lever, la dernière fois on avait fait... Faut qu'on récupère de la nourriture. La dernière fois on avait fait... Donc le laboratoire qui est sous l'eau dans le lac en fait. Non, c'est pas un lac, dans l'étang là. Ici. On n'a pas tout fini, on a encore des trucs qui manquent. On a encore des trucs qui manquent. Donc on va y retourner. Mais c'était vraiment, vraiment fun. Surtout qu'on n'était pas complètement épique. Enfin, on était équipé. En fait, on s'est équipé avec le temps. Et on a tout fait d'un coup, en fait. On s'est équipé avec le temps. C'est-à-dire qu'on a trouvé les trucs, on les a créés, tout ça. Genre, par exemple, les arêtes abyssales, on les a trouvées au fond. Et c'est au fond qu'on a créé genre notre scaphandre. C'était vraiment, vraiment très risqué, très très short en time en fait, en timing à chaque fois. Mais c'était vraiment fun, c'est vraiment fun. Je suis content, ça s'est super bien passé au final. Donc très très content de ce côté-là. Donc très 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 heureux de ce côté-là. On va y retourner. On est bien équipé. Oh là là, elle me fait chier cette feuille. On est bien équipé. On est équipé pour la plongée et tout ça. J'ai envie de mettre des protections sur l'intérieur aussi. Parce que ces fourmis, elles sont très connes en fait. Quand on est loin, elles sont très très connes. Donc on a notre couteau abyssal. Notre dague. On a notre deuxième dague aussi qui est là. Celle-là, elle fait plus mal, donc on va l'utiliser. On a des lampes. On a nos arbalètes et notre arc parce qu'ils sont vachement bien. J'ai envie de même de... Enfin non, les deux sont bien. Les deux sont bien. On a notre pelle qui est au max parce qu'on doit déterrer plein de choses en fait. Des arêtes et tout ça. Donc faut qu'on fasse des trucs. Faut qu'on fasse des trucs. Parce que les arêtes, on les a pas examinées encore. Donc ça, il faut qu'on le fasse. 3. Ciao, Dan. Donc on est prêt, on y va. On est reparti. Ah, c'était chaud. Hein. On va peut-être donner la puce directement au robot. Enfin, il est quelle heure? Ah non, il est 10h40. Non, on va directement aller en bas parce que je vais aller récupérer des choses d'abord. Je vais aller récupérer tout ce qu'il y a, parce qu'il y a des choux et tout ça. Je sais pas par contre. Je sais même plus par où on rentre en fait. Genre le centre là qui était en dessous. Non, c'est un autre endroit en fait. Je sais pas. Je sais pas par où on rentre. Faut que je vois. Parce que il y a plusieurs entrées. Je suis un peu perdu en fait. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Je suis un peu perdu. Attends, là où il y a plein de bulles peut-être. Non, ça c'est le tuyau. Attends, nous on était où quand on était rentré? Ah, lâche-moi la grappe toi. Parce qu'on est parti. Ah, là-bas il y a le dôme. On est parti en catastrophe en fait. Une en droite. Ah là, ok. Bah attends, on peut directement y aller. Ok, donc ça c'est le dôme.
Hop. On a laissé la carte à la maison. Hop là, nickel. Alors, on peut enlever les balles. Enfin, quoi que non, il y a tellement d'eau. Faut faire gaffe qu'il y a encore des robots, on les a pas tous tués la dernière fois. Tu vois, l'arc, c'est pas bien. Ok. Désolé l'écran. Oh non, c'était pas voulu. Flèche qui a glitché. Il va falloir que je farme pas mal de trucs moi. Genre, faut que je farme. Ouais, j'avais dit les. Les pics là. Pour faire des flèches. Ça c'est pour faire repérer. Non, non, non. Voilà. Document, retour. L'alliance des poissons. Brillant. Ah, mais c'est un. C'est vrai, répondit-il. Mon nom est Trudy. C'est un poème. Alors, ça, on peut prendre. Au fond, je vois un peu. Ouais, je suis pas fan. Faudrait à la limite que le truc, la couleur change par rapport à l'environnement. À la limite, ça pourrait être fun. Et... Dôme de la mare. Parce qu'on était allé un peu vite. Mutation. Alors, je sais pas si on n'avait pas une cassette qu'on a zappé la dernière fois parce qu'on est allé un peu vite. Du coup, ça fait des choux-fleurs, il faudrait les récupérer de temps en temps, c'est ça? Je sais pas si on n'avait pas une cassette qu'on a zappée. Ah oui, on a une... C'est quoi? Cliché suspect 4. Les photos semblent être celles d'une flèche de château moisie sortant d'un fossé. Ouais, ça c'est les choses qu'on avait trouvées. Expédition Dr. Spencer, toxicologie pharmaceutique 89. Aujourd'hui, je rentre dans les profondeurs. C'est que j'ai entré dans ma dernière plongée glaciale, piquée avec curiosité, une espèce de variante charnue cultivée d'un légume crucifère. Le remède d'hostilité ne sont pas vraiment ma spécialité, mais je suis un sulforaphane. Quoi qu'il en soit, on plonge, on récolte un échantillon et rentre à la base pour faire de la vraie science. Ils n'ont pas vu les enfants depuis des semaines, je pense que la voie est libre. Intéressant. La mare. En chou de Belgique. Peut-être effet secondaire, c'est peut-être celui-là qu'on n'a pas écouté. On peut l'écouter. Jouer. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior, I must face the facts. The gray hair,
hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! If this means that I must sacrifice 20 years of my life, then so be it. Je crois qu'on l'avait écouté celle-là. Je crois qu'on l'avait déjà écouté. C'est marrant parce que c'est par faction, j'ai envie de dire. Peut-être celle-là. Je sais plus si on avait une. This time you've gone too far, Wendell Tully. You've done the unthinkable, trespassed the unforgivable. You missed Thanksgiving dinner. Who can blame Trudy? I know that I pushed things to the breaking point and that she has grit her teeth and borne it. She told me that she could not bear to watch me destroy my life, let alone hers, the children's, in single-minded pursuit of this technology. Never in all the years of knowing her has she given me such a cold, immovable ultimatum. My science or my family. But if only she could see. I am doing this for them. I understand it has been hard. It has been harder on no one more than myself. If only I had more time. If I could just prove to them the wonders that are so, so close now, they would understand, wouldn't they? And if they did not, perhaps they never understood me at all. Alors, j'ai fait une connerie. Je crois qu'on va devoir rentrer à la maison maintenant. Alors, de 1, parce que j'ai récupéré donc des trucs qui vont pourrir avec le temps. Je crois qu'en fait, ils pourrissent pas tant qu'ils sont posés. Quoi ça reste ? Quoi c'est quoi ? Tant qu'ils sont posés par terre, je crois qu'ils pourrissent pas. Ah oui, là c'est où il y avait le... les robots avec que j'ai laissé les algues. Mais vu que maintenant je les ai récupérés, je crois que ça va pourrir. Donc on va devoir partir. Parce que je voudrais faire les cocktails. Enfin, les cocktails, les smoothies plutôt. Vous avez compris de quoi je parlais en fait. Là-bas. Oh, là il y a des trucs aussi. Il y a une grotte là. Ah, oh, il y a plein de trucs à visiter encore. Hein. C'est fou. Hein. Je vais prendre une deuxième gourde, honnêtement. Je vais prendre une deuxième gourde et on va peut-être rester genre la nuit et tout, parce qu'on peut dormir. Et je commence un peu à me repérer en fait. Donc ouais. Par contre, avant qu'on parte... Je commence à me repérer, donc ça va, donc on peut retourner à l'habitat là pour dormir et tout ça. Mais ouais, on va faire une deuxième gourde. It is nice to see a friendly face around here. How can I help you today? I knew I could count on you. Please hold while I update my files. Here we go. Processing. Ooh, better than ever. My diagnostic module is now restored. Analysis shows the spacer suffered a catastrophic failure in the embiggening cell. The embiggening cell stores and regulates interatomic energy transfer during the spacing expansion phase of the spacer. Put simply,
It controls the rate of growth of the subject and prevents overexpansion, which can be quite messy. There is both good news and bad news. Which would you like to have first? All natural flavoring is not, strictly speaking, natural. Now you know. The good news is that I have a spare cell here. The bad news, it is empty. The cell must be filled with a special mixture, a cocktail, if you will. Another breakthrough invention by Dr. Tully. Hold, please, while I push the recipe for the embiggening cocktail to your scabby. Processing. Ça va sûrement pas marcher. Error. Oh. Missing directory. Voilà, il faut les autres puces. The directory you attempted to copy does not exist. Boo-doo-doo. Boo-doo-doo. Cheese and fries. It appears the formula for the embiggening cocktail is not in my memory. It must be on one of the remaining super chips. We will need that recipe in order to fill the embiggening cell and send you home. I am sorry. It seems like the forces of nature are trying to keep you in this yard. But I believe you are here for a reason. Hold on to the empty cell for me, and when you feel ready, retrieve another super chip to see if we can piece this puzzle together. Fare thee well, brave adventurer! Merci. Récupérer la prochaine super puce. Attends, il y a des trucs en haut à droite là. On va déverrouiller avec la puce de la mare. Ok, l'atelier. Cellule d'agrandissement. Marche. La haie. Ça fonctionne normalement maintenant. La mare, ça fonctionne aussi normalement. Ça, c'est les caméras rouges, là, avec le point rouge, là, qui tourne, on voit. Ah, là, il va falloir un masque. Et après, c'est les fourmis noires. Donc, moi, j'ai envie de dire, on est allé quand même dans l'endroit le plus risqué, hein, je crois. Les fourmis noires, je crois que c'est l'endroit le plus risqué. Bon, après, pour nous, vu qu'on était en ranger, là, ça s'est plutôt bien passé, hein. Mais en théorie, on devrait pas être là. On n'aurait pas dû aller là. Pourquoi ? Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Endurance max. Je sais pas. Non, je vais en garder. J'ai bien envie d'une autre mutation, en fait. Ah oui ! Oh, en parlant de ça, avant que je regarde ce qu'on a. Les mutations. Ado, les sirènes, natation, effet faible, apnéisme, junior. Oh, t'as, sais-tu ? Tu deviens comme un poisson dans l'eau, poisseuse de la mare, ta peau est perméable, bénéficie d'un gradient électrochimique qui te permet d'agiter tes membres comme des fouets qui t'aident à mieux respirer. Mais ça, c'est des. Faudrait trop que ça change le personnage, quoi. Ce serait trop bien. Ça serait trop bien que ça change le personnage. Mais je crois qu'on en avait aussi un autre, non ? Je me rappelle plus. Je sais plus si on n'avait pas deux mutations. Je sais pas. Allez, surprends-moi. Alors, la mare. Alors, fondation flottante. Surface flottante, parfait pour se dire les structures, construire sur l'eau. Donc on peut construire sur l'eau maintenant. À base incurvée. Plancher en herbe incurvée. Ah, on a plein de trucs. Mur de palissade incurvée. Ok, ça c'est intéressant. Alors, soupe de nageoire. Repas complet, natation. Les spaghettis flits. Apnée junior. Ah! Ça c'est facile, repas bien nourri. Et après on a pudding au talpo loca. Okay. Tourelle pollen. Une tourelle stationnaire qui nécessite d'être manipulée. Tire du pollen pour aider à abattre les ennemis volants. Inflige des dégâts supplémentaires aux créatures impliquées dans les événements défensifs. What?
Ah bah alors oui. Moi j'ai envie de te dire. Par contre, les bases. Là, ça m'intéresse, le truc incurvé là. Ça m'intéresse. Et le reste, c'est fini. Une tourelle à pollen, gros. Non mais oh. T'imagines ça? Merde. Base incurvée. Donc on peut faire des trucs arrondis maintenant. Ça tue. Il y a même les palissades à incurver. Mais ça tue. C'est pour ça que je voulais pas augmenter ma base. Genre... pas augmenter, mais genre... C'est quoi ce bruit? Ah putain, on en a besoin. T'es chier. Ah, c'est méga rare. Merde. Ouais, mais je suis plein. Ah, tu me fais chier. Je suis mal équipé en plus. Attends, bouge pas, mets-toi là. Il nous faut ça pour faire la casquette là. J'espère que je vais pas crever. Ça serait comble. Attends, parce que j'ai pas envie de crever non plus. Let's go. Nickel. Nickel. Non, du coup, je peux reprendre ça. Et oui, il nous faut ça pour faire le casque là. Là, il me. Qu'est-ce que je l'aime ce sort de casque, la lumière là. Ça me fait délirer. Genre, il y avait un jeu, c'était alors, Fallout 4. Fallout 4. Pour la lumière dans le jeu, c'est pas du tout réaliste du tout en fait. Ils disent que ça vient du Pip-Boy. Donc le Pip-Boy, c'est sur le ce que vous avez au poignet. Je crois que c'est comme ça le jeu de base. Hein, je parle du jeu de base. C'est sur le poignet. Attendez, parce qu'il y a quand même une loup qui se balade. Ça me ferait chier de me faire aggro. Donc ouais, c'est sur le poignet. Mais dans le jeu, en fait, elle vient de nulle part, la lampe. Ça fait un flash de lumière et basta, quoi. Ça fait bien de nulle part, honnêtement. Et c'est moche. C'est très chiant. C'est moche. Et il y avait des mods. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les mods les plus bien notés, les plus mieux notés, les plus téléchargés, en fait, du Nexus. Et c'était des mods qui permettaient d'activer en fait toutes les lampes qui sont du coup sur les casques. Comme par exemple un casque avec une lampe dessus, genre un casque de mineur par exemple. Du coup, attends, il y a ça. Oh, on peut mettre ça dedans. Ouais, mais non, mais ça c'est plutôt pour l'apnéisme. C'est pas vraiment pour manger, pour se remettre de la vie. Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'on avait autre chose à faire avec ça? Je me rappelle plus vraiment. Je suis revenu pour prendre ça, mais maintenant je me demande si on n'a pas autre chose à faire. Je vais voir. Je regarde tout ce qu'on a débloqué. Tourelle à pollen, on peut en faire une en plus. Ça tue. Tourelle stationnaire. Ça, c'est tout en cercle. Putain, ça pète.
Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On va pouvoir faire des trucs cool. Les palissades sont jolies. On dirait qu'elles sont encore plus résistantes. Ouais, non, mais il n'y avait pas autre chose. Tiens, on peut faire du éternuement de Shinobi. Là. Dégâts d'invisibilité. Je sais pas ce que ça veut dire pincer. Je me rappelle plus. Je le vois pas. Je sais pas. Bon, pas grave. On va faire ça. Donc ça, c'est bonus de santé, bien dodu. Bon. Nickel. Voilà, très bien. Donc, faut y retourner, on va y retourner. Ah oui, ça, des leurres. Plusieurs appâts faits avec des chairs de tétard pour distraire les prédateurs les plus imposants. Ah, le gros poisson. Je pense que le poisson Kai, là. Doit être ça. Faudrait la pelle niveau 2. Non, c'est pour plus tard. Faites pas attention à ce que je dis. Ouais, ça. Ah, il nous en faut encore une. Il nous en faut encore une. Emmerdant, ça. Ouais, et il faut qu'on fasse l'équipement Kai. Parce que je voudrais voir ce que ça fait. Ça marche. Ok. On avait dit qu'on voulait prendre une deuxième... Attends, qu'est-ce qu'on a? On a les tourelles. Désolé, je fais un peu tout et n'importe quoi. Là, on a plein de choses à faire, en fait. Faudrait peut-être faire une tourelle pour tester un peu la gueule que ça et tout ça. Ça doit être là, les tourelles. Je leur fais voir un peu. Ok. Donc, on pourrait faire un truc sur le toit. Et après, oui. Non, d'abord, parce que sinon, j'ai oublié. C'est faire une deuxième gourde. Parce qu'on va rester là-bas. Un petit moment, donc autant préparer ça au cas où. Ah putain, j'avais jamais vu. On peut préparer, on peut les crafter. J'avais jamais vu, j'avais jamais fait attention. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui me l'ont dit et j'ai jamais fait gaffe. Les placas, c'est pour les armures. Placage fragile. Et après, c'est quoi pour les armes? Pierre à aiguiser fragile. Pierre à aiguiser fragile. Ouais, donc j'en ai besoin, en fait, de tout ça. Bon, bah, c'est bien, j'ai passé mon temps à les faire. Je savais pas que c'était là, les améliorations. J'avais pas fait gaffe. Bref, c'est pas grave. J'aurais pu augmenter toutes mes armes et tout. On fera ça après. J'ai pas le temps. Donc, gourde. Est-ce qu'on peut augmenter la gourde? Non. Donc. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oh putain, elle a tué là, elle a détruit là. Le trèfle. Pas con, hein. Ok, deux trucs. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui disent, regarde, c'est là pour crafter les trucs. Ce que je me suis dit, c'est un peu bizarre que je trouve pas un moyen d'améliorer mon équipement. Bah ouais, bah ouais.
Je suis en train de me demander si je devrais pas en crafter ça aussi. Pour me défendre. Alors, je voudrais voir si on peut faire une tourelle à pollen. Donc, en gros, voir si je peux faire de la magie, là. Genre... Putain, mais allez, vas-y, laisse-moi construire ici, ce serait parfait, quoi. Tu te fous de moi? Mais c'est moche, là. Je sais même pas si ça... Ah bah oui, c'est bon. Ah mais en fait, ça touche pas le sol. Mais c'est moche. Moi, il me faudrait comme ça. Genre, passe à travers. Bon, bref, je le ferai plus tard. Ne faites pas attention, je le ferai plus tard. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse où je place les choses. Donc on verra ça plus tard. Nickel. On peut partir, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? On dort. On dort bien. Faudrait que je fasse une tour tout au-dessus de la maison. Et... Oh! Thématique. Body mass readout is an acceptable range. The skin fold degradation is minimal. Specimen vitals are stable and holding. Looks like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse. Our director, or a 3-hour meeting with the military. Good. Not another crazy dream. What the heck? They were experimenting on me. And they're working on something called Project Orc? Cool name. Je me demande si... Enfin, on en parlera plus tard de notre rêve. Faudrait récupérer la puce secondaire, là, qui est disponible dans la mare. Faudrait bien récupérer à bouffer, par contre, avant de partir. Faut que je farme plein de trucs. Hein. Alors je farme plein de trucs et je voudrais bien ouais, donc mettre une tourelle en plein milieu, en plein dessus de la maison. Parce qu'apparemment il faut l'utiliser soi-même. Il faut l'utiliser soi-même. Donc du coup, c'est un problème. C'est bon, j'y arrive. Oh la vache, j'ai plein de trucs à faire. C'est bien ça, hein. Tourelle à pollen. On peut le voir là. Défense. Tourelle à pollen, tourelle stationnaire qui nécessite d'être manipulée. Donc faut aller dedans. C'est pas un truc automatique ou quoi que ce soit. Et on peut peut-être utiliser donc ça pour combattre en défense. Bon après, vu comment notre base est, je pense qu'on va avoir un problème. Parce que même si on est en plein milieu, imaginons qu'on est en plein milieu de la maison. Ouais, enfin on va tirer sur... ça dépend en fait comment ça fonctionne, mais on va peut-être tirer sur les palissades quoi. Je sais pas, faudrait faire un truc très haut. J'en sais rien. Je vais me débrouiller, je vais faire un truc sympa. Je vais faire un truc sympa. Hop. Time. Allez, on rentre. Enfin, on rentre. On retourne au bateau. Non, pas au bateau. On m'avait compris, quoi. On a 2 lampes, on a 2 gourdes. Let's go.
Attendez. Ça fait longtemps que je n'ai pas récupéré de la sève. Il est presque, hein, on va bientôt partir. Hein. Ah, nickel. Rapide, hein. Après, on va améliorer notre équipement. Enfin, non, je crois que je le ferai hors jeu, en fait. Pas hors vidéo, ça. On a plein de... plein de morceaux. Donc, du coup, on va pouvoir faire pas mal de choses. Faut que je change mes, mes mutations. Je vais pouvoir faire pas mal de niveaux, donc faut que je choisisse. Genre, peut-être les lances d'abeilles, là. Ça serait des bonnes armes à augmenter. En épée, je sais pas trop. Pas vraiment de bonne épée en fait. Les épées de base quoi. Il y a le bouclier qu'il faut qu'on en augmente. Ce bouclier là, il est vachement bien. Il est vraiment top. Donc ça, faut l'augmenter. Ok, c'est parti. Alors, fais voir. Ça... alors, le truc sous-marin. Sens de l'orientation, c'est pas mal. Pouvoir submerger ton... hyperactivité. Ouais, peut-être que ouais, avoir une armure légère pour aller dans l'eau, c'est peut-être mieux, je sais pas. Enfin, on est déjà tellement fragile. Ouais, non, on prendra des mousses quand on sera... quand ça sera le temps de partir. Attends, j'avais vu un... une grotte. Ah, attends, la grotte, elle était plus quand on remontait, je crois. Quand, tant qu'il fait jour, autant en profiter. Ça aussi, il faut en farmer. Putain, il y a plein de trucs. Bon, par contre, peut-être la farm intensive de matériaux sous-marins, je la ferai peut-être de mon côté. Hein. Parce que sinon, c'est pas vraiment super intéressant à regarder. C'était au-dessus de ça, hein. On avait vu une grotte, là, avec des... avec des trucs lumineux. Là, trouvé. Non, vas-y, fais-moi peur. Je l'ai vu, hein, mais... ah merde, il y en a deux. Je l'ai vu, mais ça m'a fait sursauter quand même. Ah la pute! What the fuck? Elle a tapé avant que... je me suis pris les dégâts avant que ça bouge. Bullshit. Tu vois? Yes.
Je crois que ça casse plus vite par contre, peut-être, non? Que ma petite dague. Oh yes. Oula. Quelle merde. Est-ce que... Ouais, non, il fait pas grand... pas vraiment de lumière. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, là on en a deux, d'accord. Ça. Ça. C'est pratique à avoir. Donc on peut monter ou alors là, ça va où? Je suis pas très fan là, par contre. Yes, c'est des fourmis, ça va. Oh, je sais où on est. Je sais complètement où on est. On est au-dessus dans... Ça, c'est la fourmilière de la... du chêne. Fourmilière du chêne. Ça c'est léger aussi. Armure légère. Oui, mais je nice and safe. Mais attends. Bah. What the f. Ok. J'ai jamais fait attention. Hello there, acting science manager Burgle, at your service. How can I help you today? Ah, more of your fragmented memories. Let us stack them together like the ingredients of a burger. J'ai tellement envie de manger du McDonald's. They are a common side effect of the shrinking process. The memories, that is, not the burger metaphors, which are simply how I am programmed to understand the world. How can I be of assistance? Scientifique faisait des expériences sur moi pendant que j'étais miniaturisé. If they were following the omnipotent practical science manual, it is likely they were documenting side effects of the shrinking process, of which there are a few. Short-term memory loss, constipation, dehydration, among other minor ailments. But as for the long-term side effects, nothing to worry about, my friend. You are looking fresher than a non-frozen meat patty. Ha 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 ha! Project Orc?
That is certainly not something that Dr. Tully ever discussed with me. Ominent requires its scientists to use code names for their projects. Eventually, the marketing department gets involved to spice it up. I heard one scientist just used American state names in chronological order. Laughing out loud, what a magnificent scheme. But I digress. Whatever Project Orc is, the name does not sound good. How can I help you today? Have a great day. Ça marche, monsieur robot. Monsieur robotisation. Oh, c'est vrai que... 3. Alors, je pense qu'on va attendre 4 pour avoir une mutation en plus, parce que je kiffe les mutations. Je pense que c'est vraiment ce qui nous permet... Test d'agrandissement 50. Mais je n'ai jamais vu ça ou quoi ? One success after another! I have returned Burgle to his original size! It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. 98.5%! Right, Burgle, right. However, as Burgle indicates, there is some minor insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted! But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues, but audentes fortuna juvat. I am ready to prove my creation's full potential. End recording. Burgle, I'd like to record some messages for my family, in case things do not go as planned. Lucien, numéro de commande. C'est quoi ça? Commande 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lui donner? It is nice to see a friendly. How can I help you today? Have an expo. Mais c'est quoi ça? Ça m'aide pas. Lucien, numéro de commande. Oui, on a eu ça, ça c'est ce qu'il nous a donné. Ça, ça sert à quoi? Unité de transcription 1. Numéro de commande 1. Burgle Transcription Unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello! My name is Burgle, and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger-flipping brethren now consigned to the scrap heap? I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. The fuck? Il y en a une qui est là. Ça peut pas nager par contre. Merde. On va remonter. Parce qu'en fait, je crois que bah, c'est plus ou moins la merde de repasser par là. En fait, bah, ça va être relou. Non mais c'est trop relou là. Faut que je parte là. Faut que je parte par là. Soldier in, look out. Ah mais ça me fait chier, il y a la soldat. Tu peux te... Il n'y a rien d'autre. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sortir en fait du labo par l'entrée. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Ah non.
On va sortir du labo par l'entrée. Et retourner dans le... dans la mare. Ça, j'en ai marre là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une poche chez nous. On a des trucs à donner à jouer. On fait une poche chez nous, vite fait. Ça va pas durer longtemps. C'est juste l'histoire de se vider les poches. Boire un coup. Et on se casse. On y retourne. C'est pas loin, ça va. On a plein de pierres, plein d'augmentations à faire. Enfin, on a... Non, je vais pas le faire maintenant, mais je veux dire, on a des pierres d'augmentation à poser, on a plein de trucs. Alors, regarde, tout ça. Tout ça! Tastes good. Par contre, est-ce qu'on fait une lampe de plus? Ça me... m'inquiète, en fait, ça. Attends, ça, c'est la pourrissante. Ça, c'est la... Ah, mais on en a deux. De pourrissante, intéressant. On va peut-être prendre la carte sur nous. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre la carte sur nous, en fait. Je sais pas du tout si ça vaut le coup de prendre la carte sur nous. Je sais pas si c'est là, en fait. La description du mec, là, de ce qu'il disait... peut-être de la nourriture vite fait. Enfin, quoique on peut manger des algues à la limite. C'est pas très grave. Le mec disait de plonger en fait. Donc je sais pas, peut-être que c'est là, peut-être que c'est pas là en fait. Il faut utiliser la carte. Donc on prend la carte sur nous. De toute façon, ce qu'il nous faut là maintenant, c'est surtout des écailles. Des écailles du poisson. Il nous faut... les arêtes abyssales. C'est surtout ça, en fait, que je veux remonter en masse. À la limite, on peut peut-être même faire l'équipement dans la base sous-marine. À la limite. Ah oui, il y a du... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a de la sève de nénuphar et il y a le... la plante aussi, la feuille, là. On veut prendre. Voilà. C'est ces quatre ressources que je voudrais récupérer le plus possible, si on peut. Mais bon. Et des algues encore, si on peut. Le poisson qui dort. Alors voilà. Alors, est-ce que c'est par là? Pour repartir dans la plongée, là. De ce côté-là. Quel? Voilà, là, ça m'intéresse. Ça nous intéresse.
évidemment, évidemment elle revient direct. Hein. Ça c'est rien. Non, ça c'est rien. Ça, c'est rien du tout. Là. C'est pas beaucoup. Hein. J'ai cru voir après un autre endroit où il y aurait un. Il y aurait un. Oh, il y a un coffre. What the fuck? Clé couverte de mousse. Oh, oh. Putain, faut creuser ça aussi. C'est sur le bois, du tout de moi. Ah, donc il nous faut une clé. Ok, je pense qu'il y a sûrement un coffre spécial à chaque fois, à chaque endroit. On va revenir. Oh mon le con. Je me disais, pourquoi je suis aussi lent aussi? Ah, on suit le courant et ça nous fait monter. Hop. Ouais, d'accord. Okay. Ah, c'est là l'habitat. Non, non, pas celui-là. Très bien. Alors, casque de Coy. Non, on n'a pas trouvé grand-chose. Il faut qu'on en trouve plus. Il faut qu'on trouve un peu plus de choses. Ça, ça très bien. Donc il nous faut une clé pour un coffre. J'imagine que c'est le même système que le coffre qu'on avait ouvert. Il était où le coffre qu'on avait ouvert? Je ne me rappelle plus. Ah, au château là, non? Oui, le château sur la table de pique-nique. On a fait ça. Ouais, ça c'était bien. Ça donne des bons trucs en plus. Ah oui, c'est vrai qu'on a encore un labyrinthe ici, je crois. Je crois qu'on n'a pas tout fait. Et après, il y a ce passage-là, je crois qu'on n'a pas fait ce passage-là. Je me demande s'il fallait pas faire une autre lampe. Ah merde. Viens, viens, viens. Sale gueule en plus. Ah, c'est quoi on tue en fait? On va manquer de lampes.
deux là. Une à la fois, ça va. Deux. Non. Science! Science, you are off the hook. Ça sauve ça? Ah. Ah ah! Pétastique. Attends, d'abord on va vérifier s'il n'y a pas. Saloperie. Oh la vache, dégueulasse ça. Ah, je suis sûr que c'est fait exprès quoi. Ah, ça serait pas le. Non, je sais pas si c'est celui-là qu'on avait vu. Je m'en vais. Ah, ça je veux. Ça je veux. Ça aussi, ça aussi. Semble perché sur la falaise, loin du bruit de la rue, la faune depuis présent, j'ai l'impression de pouvoir enfin entreprendre des projets à long terme sans être dérangé. Ok, okidoki, on commence à avoir des trucs. Il fait nuit. Ouais, on va garder peut-être ça pour la nuit. Je sais pas. Ouais, pourquoi. Enfin, j'aime pas le vert. Le vert, il est pas beau en fait. C'est pas mal celui-là. Ah! Science. 30, très bien. Dominant. Mais là, ça c'est pas du docteur, là c'est dominant. Là, je viens de réaliser. Que j'avais vu qui était sur les. Sur un côté. Putain. Oh la vache, y'en a combien, bordel de merde? What you got now? Bouge des profondeurs. Oh mon dieu de merde. Ah ok ok, on retourne là, ça marche. Donc on a un coffre, mais il nous manque toujours. Il nous manque toujours. Toujours la clé. D'accord. On peut dormir, mais honnêtement, ça ne servira à rien. Intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit nous manquer quelque chose encore. Ah, il y a ça aussi, c'est pas mal. Attends, maintenant on est là.
On va encore faire un tour. It's no women crime, but it's better than nothing. Alors là aussi, on y allait. Ah, ça m'embête le coup de la clé là. Trouver la clé. Après, peut-être qu'elle est pas là la clé. Hein. Peut-être qu'elle est autre part. Mais... Ah non, ça c'est l'endroit noir là où il y avait les araignées. Puis ça fait le tour en fait, ça sert à rien. Je vais aller vérifier le nom pour être sûr. C'est clé de la boue ou un truc comme ça. Clé recouverte de mousse, pardon. Clé recouverte. Je vais récupérer le plus possible des écailles et tout ça. Pour comme ça on fait l'armure. Comme ça on voit un peu ce que ça fait, les bonus. S'il faut, ça permet de, je sais pas, de nager. Ah bah non, 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 ce serait cool. S'il faut, elle peut être elle est pas loin. Hein. Juste une seconde. Évidemment, ok. Une saloperie, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Ok, c'est pas drôle. T'as rien dans ta bouche, monsieur dinosaure? Après, vu où elle était notre, si vous vous rappelez, la clé qu'on avait trouvée là, on va couper des trucs là, il y a de la lumière et tout ça. Si vous vous rappelez là, où on avait trouvé la clé, c'était méga loin, comparé à où était le coffre. Donc en fait, ça peut être vraiment très loin. C'est ça le truc. Mais je voudrais bien la trouver, la clé, ouais. Ça, maintenant, avec la mutation, le casque et tout ça, ça va. C'est plutôt cool. Bien, je comprends. Voir un peu. Je crois qu'on a assez pour faire l'équipement. On va le faire à la maison parce que sinon
Il est où le trou? Ok. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut de la sève de nénuphar. Ok, donc il me faut un emplacement libre. Ça marche. Il est quelle heure? 4h40. Après, truc dans la mousse, couvert de mousse. Putain. Vas-y, il n'y a que ça, quoi. Ouais, c'est sympa, hein, une fois qu'on peut prendre notre temps et qu'on est plus... Oh putain, d'arrière. On est plus pressé et tout ça, hein. C'est cool. Hein. On va prendre des nénuphars, là, de la sève. Je pensais que ça serait... qu'il y aurait plus de créatures, je sais pas quoi. Bon, après, il faut dire quand même qu'il y a un poisson qui one-shot. Bon, oui, oui. C'est un peu le détail. Bon, pour le moment, il a l'air de pas bouger. Je sais pas combien il en faut. Je vais en prendre le plus possible. On est à combien? 11, faudrait au moins un stack plein. Ah, bah c'est tranquille, hein. Donc pour l'instant. Il nous manque une puce. Oh, c'est pas dans le coffre. Maintenant que j'y pense. Il n'y avait pas une puce dans le coffre qu'on a eu où il y avait une amélioration de molaire, je sais pas. Premier coffre qu'on avait ouvert. Ah, ok, c'est bon, on se casse. On se casse. On a des bons trucs. Smart, fast, lucky, truc un peu rare là. On va faire l'équipement. Après, je sais pas si je vais tourner en rond pour trouver la clé. Ça m'embête en fait de partir et de pas trouver la clé. De pas ouvrir le coffre. Mais bon, il faut aller autre part. Après, bon, c'est une clé dans la mousse quoi. La mousse. Peut être que dans l'eau. Hein. That was refreshing. On rentre. Taillou, taillou. Nickel. Alors, faisons l'armure. Bon, au final, en fait, vu qu'on a tout libéré, ça va beaucoup plus vite. Hein. Donc, pas vraiment besoin de... Voilà. Pas vraiment besoin de...
plus de... d'eau que ça. Okay, très bien. Très bien. Go armure. Est-ce qu'on peut tout faire? Ouf. Alors le casque. Ouais, on peut tout faire. Yeah. Alors, on a parade magistrale. Réalise plus facilement une parade magistrale. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? Parade magistrale, le fait de bloquer en bon moment. Et le buff, c'est... Après une parade magistrale, les ennemis hésitent à t'attaquer. Riposte fulgurante. On va tester. On va tester ça. Genre, zéro fourmi, c'est une blague. Ah. On va peut-être pas utiliser ça. D'accord. Ouais, bah super, putain, je suis trop bon. Je sais pas si c'était magistral. Non, c'était pas magistral ça. Mais je sais pas parer les fourmis en fait. Je viens de me rendre compte. Voilà. Que ça fasse des éclairs. Ah, elle s'en va. Super vendu là sur le. Allez. Pas vendu, hein.
pas vendu sur... l'utilité du machin. Ouais, pof, pas grave, on se casse. On rentre à la maison. Ça donne pas de... J'aime bien la dague. Hein. J'aime bien la dague. J'aime beaucoup la dague. Je commence à vraiment kiffer ça. Alors. Tastes good. Bon, équipement intéressant, mais pas pour nous. Hein. C'est pas pour moi. Au moins on l'a fait, c'est bien. Voilà, très bien. Du coup, ah oui, moi j'avais pas des quêtes genre faire un équipement. Je crois que j'avais fait un truc comme ça. Quête. Mémoire vive, récupérer la prochaine super puce, trouver le labo du brouillard. Non mais c'est ça, branche de chêne abattue. Non mais. Ah oui, ça c'était juste des endroits. Ouais. Pas vendu sur l'utilité du machin. Alors, ah oui, un truc qu'on pourrait faire par contre, c'est peut-être c'est augmenter notre bouclier. Je voudrais... On peut pas l'augmenter. Pourquoi on peut pas l'augmenter? Ah, c'est... Ah, on peut pas... Oh, oui. C'est nul. Fais voir un peu. Genre ça, on pourrait l'augmenter. 5% de défense, résistance et tout ça. Je vais réfléchir sur quoi augmenter honnêtement, parce que je suis pas trop vendu en fait sur l'équipement. Ah, mais on peut augmenter les haches et tout. Dégâts et résistance. Résistance, c'est intéressant hein, ça sur les haches. Mais j'imagine que les niveaux 3, c'est plus intéressant. Hein. Après, j'irai pas. En fait, le problème, c'est que ça va être de la perte, ça. Ça va être de la perte d'augmenter ces armes-là. Parce que c'est... On sait pas si c'est vraiment des armes de fin de niveau, quoi. De fin de endgame. C'est sûrement pas, j'ai envie de dire, honnêtement. C'est sûrement pas du endgame. Donc, du coup, c'est pas vraiment... Bon, qu'est-ce qu'on fait nous? On rentre? Enfin, on y retourne. Du coup, on va refaire un tour. Ah, on va refaire un tour pour cet épisode. Et on va mettre fin à l'épisode. Et après, peut-être que je me baladerai moi-même seul là-dedans. Peut-être. Je sais pas trop quoi faire. Sinon. Allez, on y retourne. All geared up. Ah, et il faut que je récupère des petites choses qui traînent. On a faim, merde. Faut que je me décide sur quel équipement augmenter. L'arbalète et l'arc, en fait, ça me semble bien. Ça me semble bien. Après, en équipement, l'équipement de la fourmi.
D'accord. L'équipement de la fourmi, ça veut rien dire ce que je dis. L'équipement de la coccinelle, l'armure lourde là. Ça peut être bien. Ou alors, on attend et on les utilise pas les pierres parce que voilà, sinon c'est du gâchis. Et c'est chiant à trouver et à farmer. On attend pour ça. Pour celle-là. La cuirasse de cloporte, ça peut être intéressant ça. Ah, le cuir de chrysalide. Faut le faire sécher en fait. Mais chrysalide, on n'a pas trouvé ça. Ça c'est quoi, morceau de fourmilion? Morceau de cloporte. Et après on avait quoi? Après les bouts de carapace on en a pas, je crois. Allez, on y retourne, on y retourne. Let's go. Damn! Give me a plate. Damn! J'ai pas de lampe, j'ai pas de lampe. Demi-tour, désolé. Tu vois, des ouvertures en fait, toutes les, tous les ans. Aux quatre coins de. C'est pas très compliqué à faire. Tout ça pour garder les pourris. Enfin, le nom il est nul, mais vu que c'est unique, je pense. Enfin, unique dans ce. Enfin, on en a deux, mais. Bon, vous avez compris quoi. On peut pas les crafter, c'est ça que je veux dire. Donc je sais pas, je les garde. On retourne dans la flotte. Faut encore un petit passage. On va peut-être genre bien racler le fond du machin. Et je sais pas. Oh, tu t'es perdu, toi. Et après, on voit si on trouve la clé ou pas. Sinon, je la chercherai de mon côté, honnêtement. J'ai pas envie de faire ça en vidéo, que ça va prendre 3 heures. Très bien, très bien. La carte, on sait pas où il faut l'utiliser pour le moment. C'est peut-être pas là. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Ça aussi, il faut que j'en prenne. Poisson, il est là-bas. Les mutations, on a les bonnes. Hein. Yes. Ah, un truc que j'ai complètement oublié, le trident. Ah, le trident. On aurait pu faire le trident, je crois. Ah ouais, 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 merde. Le trident, il a l'air cool. Le trident, il a l'air vraiment cool.
Rien. Rien. Tout près esquiver le pouce. Le poisson, si jamais il se réveille. Ça marche. On a une araignée encore qui se balade en haut. Ça permet de se remettre de l'oxygène, hein, c'est pour ça que je fais ça. Après, est-ce que ça serait vers le poisson ? Il va. Bon, après, elles sont pas extrêmement dures à parer, donc à la limite, ça pourrait aller. Il est où le poisson ? Il est là-bas. Ah, le poisson, il va le gober, quoi. Gobie le fiche, vas-y. Allô. Oh. Ah la pute. Passer dans le dos. Là, il y a plein de mousse en fait. Ça, c'est de la mousse. Donc je me dis que peut-être il y a une chance que la clé soit par là. Par contre, là, il y a un chemin. Ah oui, non, mais on l'a pris ce chemin. Alors, fais voir le poisson. C'est quoi ça? C'est une pièce de monnaie. Oh. Ah mais il y en a des puces. Mais niquez-vous. Vous voyez pas que je suis occupé? Je savais même pas qu'il y avait des puces. Ouh.
putain de truc, quoi. Chier. Bon, on a des puces. J'avais pas vu qu'il y avait des puces. Vous voyez, on avait même pas... On avait croisé zéro puce depuis tout à l'heure. Donc, bon, il y a peut-être des chances que... Le machin soit quelque part. La corde... La... Qu'est-ce que je raconte La clé. Alors, on va refaire encore un petit tour. Oh la vache, qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde. Oh non, non, non. Bon, bah cette sortie est condamnée. Cette sortie est condamnée. De la gym. Trop bien. Alors, où est-ce que tu peux être clé? Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Oh! Commençons à un jumeau, il sera à peine plus vieux que moi, je vais suivre tous les filets. Bah, je dirais pas non pour aller vérifier à l'endroit d'où il y avait le poisson. Hein. Pour savoir si y a pas quelque chose à récupérer. J'ai vu qu'il y avait des pièces de monnaie. Tu peux pas me trouver clé, toi? Non, ça marche pas. Ça marche pas la clé, lol. Là, genre là, la truc là. Vas-y, je vais m'en sortir. Je vais peut-être pas ressortir par là. Je vais ressortir par les abîmes. Si on peut récupérer encore de l'équipement là. Genre des écailles. Non, pas, ouais, enfin des écailles ou des autres. Genre ouais. Je vais voir aussi si c'est pas le coffre comme j'avais dit. Parce que je pense personnellement que c'est le coffre. Mais... That was refreshing. On va voir. Let's go. Je vais voir, il est où le marqueur? Le marqueur est dans cette direction. Étrangement, c'est vers le coffre. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, on a confirmation que... Confirmation que la chip elle est là-dedans, la puce. Elle est complètement là-dedans, ça marche. Y'a pas un indice, sérieux? Ça, ça m'énerve ça. Bon, je crois que je vais rentrer, je vais mettre fin à l'épisode. Et pour la prochaine fois, j'ai vraiment pas envie de partir, d'enchaîner en fait sur une autre zone. Tant que j'ai pas trouvé la... Tant qu'on n'a pas trouvé la clé. Donc, je vais faire un tour. Je vais me donner un petit temps pour faire un tour, si je la trouve.
Sinon, on enchaînera sur autre chose. Et si jamais je trouve quelque chose, je commencerai la vidéo. Je l'enregistrerai en fait. Moi qui cherche, je l'enregistrerai. Il est où le poisson ? C'était là hein, qu'il était, je crois. Je l'enregistrerai et si jamais je tombe sur la clé, bah, je le montre. Si jamais je trouve vraiment rien du tout, on enchaîne et on va au truc. Ah mais non, putain, on n'est pas là. C'est là-bas. Sans déconner, il est où le poisson ? Je vois que dalle. C'est là où il est, hein, normalement. C'est là où il dort, en fait. Un truc qui est bien, c'est que les algues, c'est super simple à récupérer. Donc du coup, on va pouvoir faire des boissons facilement. Enfin, les boissons là, pour remettre de la vie là. Là c'est vraiment vraiment cool. Shit. Vas-y bro. Vas-y bro. Mâche. D'endurance, c'est bon. Ouais, bon, après, on a fait le tour. Allez, cassos. Je vais se faire un gros plein d'algues. Ça, on est sûr de pas avoir à y retourner en fait. Let's go. Bon, on a fait. Je vais être honnête, on a fait quand même une très grande partie du truc. Donc la clé doit être bien cachée. Hein. La clé doit être très bien cachée. Nice and safe. Ou à moins que, enfin, on n'ait pas eu de chance, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, je vais m'arrêter là, moi. Je vais faire quelques petites emplettes, hein, récupérer du matériel et tout ça. On va peut-être crafter. Faut que je fasse le canon aussi. Je voudrais faire le canon sur la maison. Je voudrais faire ça. Voir comment ça fonctionne. Et ouais. Et après on ira autre part. Tout simplement. On ira autre part. Content honnêtement, ça s'est super bien passé, c'était vraiment fun, c'était vraiment une bonne aventure. Faut que je farme des verres, faut que je farme de tout, quoi, c'est ouf. C'est un peu le mauvais côté du robot craft.
Alors, hop là, plein de trucs. Plein de trucs. Alors, on a des plus. On peut le faire sécher. Pourquoi pas. Voilà, ça va être la fin de notre épisode, je crois. Rien d'autre à faire, vraiment. 198, très bien, nickel. Comme ça, je suis bon pendant un moment. Très bon pendant un moment. On va s'arrêter là, comme j'ai dit. Il n'y a plus grand chose à faire. On a fini cet endroit, du coup. Enfin, pseudo fini. Ah! Donc si ça c'est de l'eau, ça aussi. Alors la prochaine fois, en fait, je vais peut-être pas faire ce que j'ai dit. Enfin, je vais crafter le canon, en tout cas. Le canon déjà sur... sur la maison. On va peut-être aller là, voir ici. Parce que vous vous rappelez, la dernière fois, quand on était sur la table de pique-nique, là, c'était où la table de pique-nique? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus à quoi ça ressemble. Ça. Genre, le château était au centre, et nous, on a récupéré la clé au tuyau apparent. Donc, c'est quand même plutôt loin. C'est quand même plutôt loin. Donc, est-ce que là, la clé serait pas, genre, ici? Parce que là, ça aussi, c'est de l'eau, j'imagine. Donc, il faut trouver un moyen d'y aller. Ah, parce que nous, on était allé là, dans l'étang, ici. Et là, il y a quelque chose aussi à faire. Et après, il y a tout ici, quoi. Oh là là, tout l'avant, c'est ouf. Donc, ouais. Sinon, après, normalement, la troisième, c'est ça. Super plus 3. Et ça, c'est du gaz, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est le gaz, hein. La zone gazeuse. Et après, nous, on a... La plus 4. Ça, c'est les détritus. Ça, c'est le truc de sable. L'endroit de sable. Où il fait très chaud. Bon, la prochaine fois, on fait ça. Et après, on se balade encore. Je crois. On se baladera encore un peu. Donc ouais. On va pas lâcher notre équipement de plongée. Pour le moment, pas encore. Je vais augmenter mes armures. Je vais décider quoi faire. Qu'est-ce qu'on va augmenter en armure? Et qu'est-ce qu'on va augmenter comme arme aussi? J'ai pensé à l'arme. Les armes uniques. Les armes uniques. Genre par exemple... l'épée larvaire pourrissante là. Peut-être ça. Je pensais à augmenter ça. Ce serait pas mal. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.